C'est l'histoire d'un squatteur squatté. Sauf que la squatteuse, sur le trottoir, n'est autre que la propriétaire de la maison dans laquelle vit un locataire, squatteur bel et bien, puisqu'il n'a pas payé son loyer depuis 15 mois. Vous avez du mal à comprendre, voici une première explication. Alors ma mère avait acheté cette maison il y a une quinzaine d'années. Elle est décédée en février dernier et puis moi j'ai hérité de la maison, mais avec un locataire qui ne paye plus depuis déjà 15 mois, donc déjà du temps de ma mère, de son vivant. Le locataire, le voici. Filmé par la propriétaire hier soir, il semble très énervé. Il arrache la banderole, impossible de discuter avec lui. Pourtant, il a signé un bail le 1er février 2020 et il a payé quelques loyers, en tout cas au début. Mégane a saisi la justice depuis, en avril dernier, pour le faire expulser. La justice donne un avis favorable et pourtant... On a démarré une procédure pour expulsion avec l'aide de la force publique, donc les gendarmes. Et depuis, il restait un mois et demi pour l'expulser et la sous-préfecture a refusé là quelques jours avant la trêve. La trêve, c'est la trêve hivernale, applicable depuis le 1er novembre dernier, il y a donc 3 jours. Mégane dénonce la lenteur des autorités. Elle est soutenue par quelques voisins et quelques habitants. On lui apporte des petites friandises, des petits gâteaux de soutien moral. On essaye de l'aider comme on peut, quoi. C'est triste, c'est incompréhensif, c'est inadmissible et c'est scandaleux. La propriétaire va devoir faire preuve de patience et attendre la fin de la trêve hivernale en avril 2023 pour relancer une mesure d'expulsion de son locataire indélicat.